Jésus. Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Une sorcière. C'était tellement terrifiant. Elle voulait me tuer. Ça va aller. C'est bon. C'est bon. T'en fais pas. Ce n'est qu'un cauchemar, d'accord? Tu es sûr? Oui, je suis sûr. T'en fais pas. D'accord? Ok. Ok. Est-ce qu'on peut se coucher? Oui. Chérie, allez, dépêche-toi. Je suis désolée, ok? Je suis vraiment désolée. Je donnerai des instructions à mon écart. Je suis sincèrement désolée. Tu es superbe en tout cas. Merci. Vous et comment êtes-vous entré? Tu poses trop de questions à la fois. Non, je vais t'aider. Je suis ici pour tourmenter cette famille et j'ai besoin de ton corps pour accomplir ma mission. Mon corps, s'il vous plaît, pardon. Tu ne pourras jamais m'échapper. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas m'échapper. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Je ferai tout ce que vous voudrez, pardon, ne me tuez pas. J'ai besoin de ton corps.
Dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu as été au spa? Il y a 2 semaines. Je me suis fait rincer le visage, une épilation et un massage. Et la pédicure aussi? J'ai tout fait. Je m'en doute bien. Et tu es partie avec Cynthia? Chérie. Ouais. As-tu remarqué le changement en elle ces derniers temps? Tu vois, elle est devenue un peu bizarre. Non. Comme quoi? Je crois qu'elle a un problème. Comme quoi? La manière dont elle me fixe. Il y a un changement dans son attitude que je n'arrive pas à saigner. Il y a un problème. Je suis sûr que tu t'en fais pour rien. Je ne pense pas qu'elle soit normale. Je ne pense pas qu'elle est normale. Ok, tu sais quoi? Je vais l'appeler tout de suite pour te prouver ce que je dis. Cynthia! Cynthia! Tu vois, je l'avais dit. Elle ne me répond même pas. C'est très grave. Je peux dire que cette fille a un problème, hein? Elle est occupée dans la cuisine et n'a pas pu t'entendre. Allez, au fait, je viens juste de me souvenir d'un truc que je ne t'avais pas dit. Tu te souviens du contrat dont je t'avais parlé? Celui qui portait sur le puits de pétrole? Oui. Celui en mer? Oui. Quoi? Tu dis vrai? Oh mon Dieu! Pourquoi tu ne m'as rien dit? Oh mon Dieu, c'est une très bonne nouvelle. Oh mon Dieu! C'est bien vrai? C'est réel. Oh, et puis tu m'as même pas parlé. C'est réel. Monica! Monica! Viens faire la vaisselle, j'ai besoin d'assiette. Dépêche-toi. Quelle méchante femme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit? Non. Cette idiote n'a pas nettoyé ici. Monica! Monica! Viens ici. Et madame, pourquoi n'as-tu pas nettoyé ce salon? Hein? Pourquoi n'as-tu pas nettoyé ce salon? Je l'ai nettoyé. Oh, tu l'as nettoyé. Donc je suis avec ou bien je ne peux pas reconnaître la poussière? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu as nettoyé son corps sale comme ça? Qu'est-ce qu'il y a même, méchante femme? Tu dis quoi là? Qu'est-ce que je viens d'entendre maintenant? Tu es sourde? C'est à toi que je parle, qu'est-ce que tu viens nous dire? Tu n'es qu'une méchante femme. Une vraie sorcière. Ta méchanceté te rattrape aujourd'hui. Oh, excuse-moi s'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée. Aujourd'hui, tu vas payer pour tout.
Madame. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Que vous arrive-t-il? Madame. Madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, dites quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez à mon secours! Pardon! C'est assez mystérieux. Mystérieux est un euphémisme. C'est comme si ce mot ne suffisait pas à décrire ce mal. Tu me comprends un peu? C'est si ahurissant et étrange. Je ne trouve pas le mot qu'il faut pour expliquer ce mal. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver à bout? La question serait plutôt de savoir ce que je n'ai pas fait. J'ai fait tout ce que je pouvais, Jude. J'ai été voir presque tous les guérisseurs traditionnels et rien n'a marché. Mon ami, actuellement je me retrouve dans un grand dilemme. Je ne sais même pas quoi faire. Je pense connaître quelqu'un qui peut t'aider. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons le voir. C'est un pasteur, un homme de Dieu. Jude, Jude, je t'en prie. Depuis quand est-ce que tu es devenu chrétien? J'ai réalisé qu'il n'y a pas de salut dans la vie sans le Christ. Puisque tu as épuisé toutes les voies de recours, pourquoi ne pas voir mon pasteur? D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Je vais essayer. Entendons-nous sur une date et allons voir ton pasteur. Que penses-tu d'après-demain? C'est cool. C'est parfait. C'est parfait. D'accord. Excuse-moi, mon pote. Tu vois quoi? Je t'ai perdu dans mes pensées. Pardonne-moi. Ne te préoccupe pas de ces choses-là. Un homme avec tes problèmes ne devrait pas penser à ça. Je dois y aller maintenant. D'accord. Après-demain. Très bien. Merci d'être passé. Il n'y a pas de quoi. Comment te sens-tu? Ça va mieux? Allez, ça va aller. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Ça va aller. Tu vas te sentir mieux. Docteur, comment va-t-elle? Elle va s'en sortir. Tu as entendu? Tu vas t'en sortir. D'accord? Je voudrais vous voir dans mon bureau. Compris, d'accord, pas de problème. Infirmière, occupez-vous d'elle. Oui, monsieur. Je t'ai apporté à manger. Ça va aller. Ok. Infirmière. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Cosmos, la maladie de votre femme est ahurissante. Nous n'avons pas pu diagnostiquer quoi que ce soit. Et les symptômes sont étranges. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je suggère que vous demandiez une aide spirituelle. Docteur, j'ai fait tout ça déjà. Il n'y a toujours pas de résultat. J'ai bien peur que le temps soit contre nous. De toutes mes années de profession,
Je n'ai jamais rien vu de tel. Et ça dépasse mon expérience. S'il n'y a pas de résultat très bientôt, je suis désolé, monsieur Cosmos. Je serai obligé de la décharger. Docteur, il faut absolument que vous me donniez un peu de temps. Juste un peu de temps encore. Je fais ceci à cause de notre amitié de longue date. Je sais, je le sais, mais je vous en prie, merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant. J'espère qu'elle va se rétablir. Merci. Je vous en prie. S'aggrave. Donc l'homme de Dieu dont tu m'as parlé sera d'un grand secours. Je pense sincèrement qu'il le sera. Je l'espère bien. Mais je suis sceptique. Dans cette situation, je n'ai pas tellement le choix. Il faut que je saisisse toutes les chances. Honnêtement, pour te dire vrai, je ne crois pas du tout en ces conneries de miracles. Conneries ? C'est un mot inadéquat. C'est en fait le dernier recours de celui qui a perdu tout espoir. Ceci est l'œuvre du malin, nous allons combattre pour cela. Elle sera délivrée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. Monsieur, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller m'occuper d'autres patients. Monsieur Cosmos? Oui, docteur. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Infirmière, allons-y. Agneau sans défaut! Berger d'Israël, toi qui as conduit ton peuple comme un troupeau, agneau sans défaut, toi qui as versé ton sang, nous voici devant ton saint trône. Je te présente devant ton trône de grâce. Le Seigneur vient juste de me révéler que votre épouse est sous un sort puissant. Sa mère l'a livrée à un groupe puissant de sorciers. Et toutes les deux ont commis beaucoup d'atrocités. Votre femme a la solution à son problème. Elle doit se confesser avant d'être délivrée. Pasteur, elle est ainsi depuis longtemps. Elle ne peut pas parler. Et le docteur a dit qu'elle ne reparlera pas. Oui, mais mon Seigneur la fera parler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Seigneur Dieu d'Israël, écoute ma prière, car il est écrit que ta parole de ma bouche sera une boule de feu et le monde des sorciers sera au nom puissant de Jésus-Christ. Femme, parle, parle maintenant. Un bois consumé, je prends autorité maintenant sur les esprits, sur la légion qui opère dans ce corps. Vous, écoutez la parole de Dieu. Vous écoutez-moi la parole de Dieu. Vous êtes de bois consumé. Je suis prêt. Waouh, je vois ça. Oui, c'est bien. J'adore ça. Ouais, tu aimes ça. Bonsoir, monsieur. Rose, comment vas-tu? Bien, monsieur. Chérie, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas de venir avec nous? Rose, tu veux venir avec nous? Moi? Oui. Je peux te parler? Je n'ai rien à me mettre. Ce n'est pas un problème. Va dans mon amour et prends ce que tu veux. Sérieux? Bien sûr. Oh, merci. Dépêche-toi, d'accord? Excusez-moi. Oui.
ta sœur est très jolie fille. Demi-sœur. Mon gendre est là. Hey, hey, je dois aller dedans. Hey, hey. Hey. Mon gendre, comment tu te portes? Très bien, maman. Comment vont tes parents? Ils vont bien, maman. Très bien. Ils vont arriver, maman. Merci, ma chère. Je suis prête. Ah ah, et où va-t-elle comme ça? Je l'ai invitée à se joindre à nous. À venir avec vous? Oui. Rose, as-tu fini tes travaux dans la maison? Est-ce que tu as fait la lessive, lavé la douche et nettoyé toute la maison? Tu ferais mieux de retourner faire tes travaux. Mais maman, et puis... Oh, tais-toi Nancy, ta mère parle. Et puis, ah ah, Nancy... N'est-ce pas la tes vêtements, hein, qu'elle a porté? Hein? Toi, tu retournes t'occuper de tes travaux. Et tu finis tout ça maintenant. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Hein? Vas-tu aller finir ces travaux avant que je ne m'énerve? Vilaine fille, paresseuse. Vous pouvez y aller maintenant, hein. Il n'y a pas de problème. Amusez-vous bien, d'accord? Mmh. Amusez-vous. Amuse-toi bien, ma chérie. D'accord? Hey! Et puis, n'oubliez pas de vous amuser et de me rapporter quelque chose, hein? J'ai dit ça, hein? Vous devez me ramener quelque chose, hein? Hein? Ok, d'accord. Au revoir. Au revoir. Ici, devant ma télé, qu'est-ce que tu fais là? As-tu fini de laver les chemises que je t'ai remise à faire? Est-ce que tu l'as fait? C'est quoi? Tu es en train de manger des yamchoots? Il y a des yamchoots dans ta bouche, c'est ça? Non, non. Et tu voulais sortir avec eux, hein? Tu voulais y aller? Réponds-moi! Tu voulais y aller, non? Tu voulais sortir, vilaine fille. Maintenant, va dedans et lave-moi vite ces vêtements. Et quand tu auras fini, tu iras dans ta chambre mettre les habits en ordre. Tu m'entends? Je dis, est-ce que tu m'entends? Oui, maman. Quoi? Comment veux-tu m'appeler? Je vous ai appelé maman. Viens, 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 viens s'il te plaît. Viens! Tu m'appelles mère. Hein? Ne m'appelle plus jamais, jamais, jamais de ta vie misérable. Ne m'appelle plus maman, d'accord? Je ne suis pas ta mère. Maintenant, disparais de ma vue. Disparais de ma vue alors que je tombe sur toi. Idiote. Hé, hey, attends, attends, reviens, reviens, reviens. Donne-moi ma télécommande. Même ta mère défunte n'a même pas cette marque-là. Dépose ça. Idiote. Vilaine fille. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu as enlevé ma casserole du feu. Maman, la casserole se chauffait trop. Donc j'ai décidé de la retirer du feu. Qui t'a demandé de m'aider?
Je t'ai demandé. Hein? Et qui a mis ça sur le feu? Je voulais chauffer de l'eau pour me laver. Oh mon Dieu! Rose, tu as le toupet de retirer ma casserole du feu juste parce que tu veux te laver avec de l'eau? Ok. Décidément, tu auras ta douche ici et maintenant. Crois-moi. Ça veut dire quoi? C'est trop, je suis fatiguée. Maintenant, sors de ma maison. Va-t'en, va-t'en. Je vous en prie, maman. Nancy, elle m'a demandé pardon, non? Je te dis de partir. Maman. C'est quoi? Je ne peux pas te faire sortir de ma maison. De ma propre maison. Hein? Je n'ai nulle part où aller. Va rester chez le gars avec qui tu fricotes. Allez, prends ça. Maman, maman, ne fais pas ça. Tu vas te taire. Je vais partir avec elle. Je te dis de partir maintenant. Rose. Pardon. Allez, dépêche-toi. Allez, prends ça. Va-t'en. Mais va-t'en. Dehors. Mais va-t'en. Marche, je vais revenir sur moi. Va-t'en maintenant. C'est quoi? Maman, je suis fatiguée. Maman. C'est la même chose. Maman. On ne peut pas rester avec toi. Sors, sors. Hé, maman, écoute. Hé, dehors. C'est fini. Dehors. Voilà. Hé, maman, ce n'est pas du tout bon. Hein. C'est pas bien. Hein? Ce que tu fais n'est pas bien. C'est pas du tout bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Maman, ce n'est pas sérieux. En tout cas, elle est dehors, c'est fini ça. Laisse-moi. Maintenant, tu veux me frapper pour ça, c'est ça? Tu veux me frapper? C'est bien fatiguée. Ce que j'ai fait. C'est bien même. C'est quoi? Tout le temps. Je suis fatiguée. N'est-il pas trop tard pour être dehors? C'est une longue histoire. Pas de problème. Allez, venez. Venez avec moi. Mais je ne vous connais pas. Vous ne vous souvenez donc pas de moi? Le garde sans naira, médicaments et nourriture, frais de transport. C'est toi? Oui, c'est moi. Tu as changé. Effectivement, mais c'est grâce à toi. Allez. Oui, c'est à moi. Allons. Allons. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, Cosmos. Oh, désolé, j'avais oublié. Cosmos, comment s'est passée la nuit? Comme d'habitude, j'ai passé une bonne nuit. Et toi? Grâce à toi. Tu ne veux pas être aussi reconnaissante. C'est plutôt à moi de l'être. Je vais au boulot maintenant, à plus tard. Tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner? Non, non, pas aujourd'hui. Il faut que j'y aille. Prends soin de toi, d'accord? Ok, au revoir.
Ça va? Je suis juste un peu désarçonné. Ma maison est si propre, je ne la reconnais pas. On sent qu'il n'y a pas une femme ici. Ah, fais-moi confiance, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Comment était ta journée? Ennuyante, mais je n'avais vraiment pas le choix. D'accord, maintenant que je suis de retour, je peux promettre de te traiter comme il faut. Alors, tu en dis quoi? On verra bien. Alors... Désolé, j'allais me coucher, j'ai pensé te dire. Bonne nuit. Ça va, c'est pas grave. Alors, tu vas bien? Ah oui, excellent. Oui, ça va. Non, tu vas bien. Excellent. Tu n'as besoin de rien. Chérie. Je pense qu'on devrait aller voir ta petite mère pour lui parler de notre projet de mariage. Ça serait bien, mais je ne pense pas qu'elle soit d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle te déteste si tant? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on me traite comme l'orpheline que je suis. Arrête, ne parle pas ici. Le plus important, c'est comment faire pour nous marier. C'est cela le plus important. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je t'aime. Et je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime aussi. Je suis chanceuse et t'ai trouvé un beau, riche et adorable homme pour t'aimer. Je suis chanceuse. Cosmos, c'est Dieu qui l'envoie. Comme ça, c'est Dieu qui l'a envoyé? C'est la récompense de Dieu pour un bienfait. Monsieur, je suis désolé de vous déranger. Je vais comme ça à un entretien pour un travail très important. Mais je n'ai plus d'argent. Je ne m'en dis pas, mais j'ai juste besoin d'un peu d'aide. Je n'ai pas d'argent. Je vous en supplie. Je te dis, je n'ai pas d'argent, non? Ah, c'est un problème. Regarde-moi bien habillé en veston et il dit qu'il n'a pas de gâteau là-bas. Monsieur, je regarde-moi ça, raté. Madame, je vous en supplie au nom de Jésus. Je ne veux pas vous emmerder. Je ne suis pas un arqueur. Je suis très en retard pour un entretien d'embauche. J'ai juste besoin d'argent pour me déplacer. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, aidez-moi, je vous en prie. De combien avez-vous besoin? 300 naira. Je n'ai que 100 naira sur moi. Et c'est avec ça que je dois rentrer. J'en ai besoin pour y aller. C'est très important. Pour voir mon dossier, je vous en supplie. Je vais vous donner ça. Après tout, votre entretien est beaucoup plus important que mon trajet en bus. Tenez. Merci. Merci beaucoup. De rien. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse. De rien, de rien. Hé, madame, est-ce que je peux avoir votre contact pour vous rembourser? Non, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu vous le rendra au centuple. Au revoir. Cette faveur m'a conduite là où je suis aujourd'hui. Le jour où on m'a jeté hors de cette maison, il m'a vu, m'a recueilli et a très bien pris soin de moi. Nanti, tu ne le croiras pas. Sais-tu que les 80 naira que je lui ai donné ce jour-là ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui? Tu es sérieuse? Il a obtenu le boulot dans cette société. Oh, tu es si chanceuse. Tu as tellement de la chance. Je remercie Dieu. Nanti, je veux toujours que tu viennes rester avec nous. Écoute, Rouge, je ne sais pas comment ton mari va prendre ça. Je ne sais pas comment il va supporter le fait que je vienne habiter avec toi. Mon mari n'est pas un problème. Je veux juste que tu viennes rester avec nous parce que je me sens tellement seule dans cette maison, surtout quand il va au travail. Je ne sais pas trop, hein. Tu vois, c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Je t'en prie. C'est vrai, je suis sérieuse. On ne sait jamais, ma chère. L'un de ses amis peut te voir là et qui sait. Ne commence même pas, je ne sais vraiment pas. Je vais y penser. Ok. Je vais voir. Ouais. Je te promets rien, mais je vais y penser. Ok, si tu insistes. Ok, alors, dis-moi comment ça va, tout ce qui te donne. Oh là là. Salut chérie. Ah salut, comment ça va? Oh ça va. Mmh. Alors comment s'est passée ta journée? Bien, mais tu m'as tellement manqué. À moi aussi. Tellement que sur le chemin de retour, j'ai vu 3 tissus dans une vitrine et que je les ai pris tout pour toi. Ah si, si, pour ma femme. Ce n'est pas vrai. À moi? Ma seule et unique femme. Waouh, c'est beau. Ouais. Waouh. C'est très beau. C'est vraiment, vraiment beau. Alors, dites-moi. Attends que je vois. Comment vous trouvez ça? Élégamment belle. Merci encore, bébé. Tout pour toi. Bon, je vais à l'intérieur, d'accord? Salut, Nancy. Salut. C'est vraiment, vraiment beau. C'est si beau tout ça. Très, très beau. Tu trouves? Je t'assure, et tout ça, ça me plaît surtout les couleurs, regarde. Oui. Regarde tes jupes aussi, elle est belle. Tu sais quoi? Quoi? Je pense que ça t'ira bien. Tu peux prendre ça. Oh non, je suis désolée. C'est le cadeau de ton époux. Je suis désolée, je ne peux pas accepter. Et je t'en fais don maintenant, ok? Merci beaucoup, je suis si reconnaissante. Je t'en prie. Merci. Je dis, tu as beaucoup de chance, hein? Vraiment trop. Oui. Je remercie Dieu pour tout ça. Bon, je reviens. Excuse-moi. Ok. Je ne suis pas que Nancy est assez restée chez nous. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'elle a le même âge que toi. Elle est jeune. Tu comprends ce que je dis? N'est-ce pas normal qu'elle aille se trouver un mari à elle aussi? Elle est ma sœur et... Ta demi-sœur. C'est la même chose. Et je ne veux pas qu'elle se sente rejetée. Laissons-la rester si elle en a envie. D'accord.
Moi, je ne pensais pas son bien. Chérie, j'ai sommeil. Et toi? Oui, moi aussi. Allons nous coucher. Lève-toi.